African Lion Awards. African Lion Awards. Ma chérie, moi je t'aime. Ma chérie, canine ou manye. Jamie Diana mon faran jusu kasi la jusu kasi maninye. Yafa, diana mole yafa ma, ni lo bake kuminke la, ni jugumane, ni bilalira. Ah ouais, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer l'indépendance du Mali, la fête de Tabaski. Et à cette occasion, nous avons reçu une vingtaine d'artisans qui sont venus du Mali pour montrer les talents des femmes africaines et aussi des hommes africains, des artisans de manière générale en Belgique. Nous avons passé 3 jours à Anvers et aujourd'hui nous avons commencé avec Bruxelles. Nous arrivons à la fin de la journée d'aujourd'hui, c'était le premier jour, une journée très chouette, une journée qui a fait, qui a vu défiler des personnalités et beaucoup de personnes qui sont intéressées par la culture africaine et par l'artisanat et tout ce qui concerne la création des talents africains. Nous sommes presque à la fin de la journée. Nous sommes en train de plier les bagages pour se donner rendez-vous demain matin très tôt. Et nous vous invitons à venir nous accompagner dans la découverte de l'Afrique, de l'art et de la culture africaine. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voilà, présentez-vous. Je suis madame Camara Malado, vice-présidente du Haut Conseil des Maliens de France. Je suis là dans le cadre de l'exposition et des artisans maliens de venir montrer leur savoir-faire à Bruxelles. Et en même temps, je suis la présidente de la coordination de Ségou. Je suis venue présenter les produits de ma région à l'occasion de l'indépendance du Mali. Et moi, c'est Madame Sou Nana Traoré. Je suis la secrétaire générale du réseau des femmes artisanes du Mali. Nous sommes venus à Bruxelles pour présenter nos produits, des produits artisanaux, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Mali. Alors, nous sommes là pour magnifier cette date-là, combien c'est important pour nous. Surtout à cette période, tout le monde sait les difficultés que le Mali a à cause de l'insécurité. Donc nous, on est là, il n'y a plus de touristes au Mali. On est venu, on vous rapporte tout l'artisanat malien avec tous les corps de métier. Donc nous invitons tous les Bruxellois de venir visiter ces pays, ces beaux pays que nous voulons unifier, un et indivisible. Alors tout est magnifique ici. Tout est artisanal, et des habits jusqu'aux objets d'art, tout est beau. Et nous vous invitons à venir visiter et les prix, ils sont abordables. Alors, vous savez qu'au Mali, il y a plusieurs corps de métiers. L'artisanat est très très développé dans notre pays. Et nous sommes un groupe de femmes, mais on est accompagné aussi par des hommes. Alors, nous avons d'abord le textile, le basin teinté, teinté à la teinture artisanale. Alors, nous avons des robes en wax, bien cousues par nos braves couturières. Ensuite, on a du basin teinté à la teinture artisanale. Nous avons du bogolan. Nous avons de l'encens. Nous avons du beurre de karité parce qu'on a aussi des transformatrices agroalimentaires. Ils apportent du beurre de karité nature, du fonio précuit, et des croquettes et beaucoup d'autres choses qui sont des produits alimentaires qui ont été transformés. Ça, c'est les produits alimentaires. On a des perles qui sont montées par nous-mêmes. Des perles, des colliers, des bracelets,
Nous avons des perles aussi pour la taille, qu'on appelle chez nous les baya. Il y en a qui disent les zigida. Ensuite, on a des bijoux en argent teinté, et en or aussi, des bijoux en or. Et nous avons ensuite des produits naturels que les femmes utilisent pour se faire belles, et qu'on appelle secret des femmes. Et ensuite, on a tout ce qui est produit artisanal du Mali. Il y a plein d'autres choses, des objets d'art, de la sculpture, des décorations, du cuir, des sets de table, et j'en passe. Et quand vous arrivez ici, vous ne serez pas déçus. Alors, vous savez que le Mali est un pays multiculturel, multiethnique, dans lequel toutes les ethnies travaillent dans un corps de métier. Presque tous les corps de métier correspondent à une ethnie. Et toutes les régions sont représentées ici dans cette foire de Kidal à Kai. Et chacun fait du mieux, de ce qu'il peut de mieux. Et nous sommes là, c'est très important pour nous. Parce que ce n'est pas seulement ce que l'on voit sur les médias qui représentent le Mali. Tout ce qu'on dit sur les médias, ce n'est pas ça seulement. Parce que nous, au Mali, les femmes, elles sont courageuses, elles se battent, elles travaillent et elles veulent rehausser l'image du pays. Nous sommes là pour montrer à l'Europe, pour montrer à la face du monde que ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce n'est pas ça seulement. Nous voulons montrer que la femme malienne peut se servir de ses mains. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est fait à la main. Tout est artisanal, ce n'est pas des machines, mais on fait ça pour développer le pays. Alors, il faut lutter contre l'immigration, il faut développer aussi le travail à la base et le valoriser. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Nous sortons avec nos produits pour les valoriser et aider nos sœurs qui sont restées au pays. Tout le monde ne peut pas venir. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Par exemple, ça, c'est un collier fait de petites perles et du bronze. Bon, le bronze là, ça c'est fait avec des décorations touareg. Toutes ces décorations là ont des significations particulières. Porte bonheur le plus souvent avec les petites perles, et le support même, il est en bronze. Voilà, tout est fait d'une manière artisanale. Voilà, c'est fait à la main et c'est joli. Ça, c'est les coquillages, on appelle les coris. Vous connaissez quand même. Ça, c'est les kouris. Et à l'époque, ça servait de monnaie. Oui, ça servait. Ça, c'est les kouris. Bon, à l'époque, ça servait de monnaie d'échange. Pour garder sa valeur, on s'en sert pour faire des beaux colliers. C'est ça. Ça, c'est des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles pour les marraines. Quand il y a mariage au Mali, on choisit une dame qui est indiquée pour être la marraine pour le mariage. Et c'est elle seule qui est habilitée à porter ces boucles d'oreilles. Voyez, c'est ça la signification. Voilà. C'est fait avec du fil coloré, et qu'on monte. Bon, le jaune c'est l'or. Bon, on monte ça sur du fil de fer. On monte ça sur de la récupération. Voilà, c'est sur de la récupération qu'on monte le fil pour en faire des boucles d'oreilles. Gagnons. Ça, c'est un instrument de musique. Alors, c'est des noix de fruits sauvages qu'on cueille pour en faire des instruments de musique. Le support, c'est du cuir. Voilà. Ça, c'est une plante qu'on appelle le merenga. C'est une plante miracle. Une plante miracle. Vraiment, ça soigne. Ça soigne beaucoup de maladies telles que le diabète, l'hypertension et beaucoup d'autres choses. Vraiment, c'est vraiment un arbre miracle, voilà, qu'on appelle le merenga. Voilà. Et donc ça a été transformé, c'est ça? Non, c'est naturel, mais on l'a broyé seulement pour la faire en poudre. Sinon, il n'y a rien qui est ajouté dedans, c'est naturel. Du sésame avec du sucre pour croquer, quoi. Et ça a une très bonne saveur et c'est bien pour la santé aussi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les secrets des femmes. Ça c'est une plante qu'on appelle vétiver. Alors quand on fait bouillir ça et boire, vraiment c'est très bien pour la femme.
ça lui nettoie très bien. C'est ça qu'on a ici. Et c'est très beau. Et ça, c'est de l'encens. Ça, c'est de l'encens. On brûle ça dans la maison. L'encens pur. L'encens pur. Quand on brûle ça sur le petit charbon, ça donne une très bonne odeur. Toute la maison, ça sent bon, les habits et tout. Comme en hiver, il fait froid. Alors, quand on met l'encens, non seulement ça réchauffe, et puis ça donne de la bonne odeur dans la chambre. Ça, c'est un pot de fleurs. Un pot de fleurs en plante naturelle aussi. Une fois arrosé avec un peu de parfum ou bien de l'eau simple, vraiment, ça rend la maison agréable. Ça sent très, très bon. Et c'est des mélanges de parfums avec des produits naturels. Et tout ça, c'est pour la toilette des femmes. Ça, c'est une sorte de calebasse. On appelle ça petite calebasse. On s'en sert pour se nourrir. C'est comme des cuillères, quoi. C'est comme des cuillères, des louches. Voilà, mais c'est des plantes, c'est naturel. Voilà, ça vient de chez nous. C'est des plantes comme ça. Voilà. On appelle ça calebasse. Voilà, les gros calebasses là. Et ça, c'est les calebasses en louche. Et ça, c'est les paniers. Ça, c'est des paniers. Tout ça là, ça vient de notre savane. Voilà. Tout ça là, ça c'est pour remuer les sauces. C'est les bois. Mixer. Voilà, c'est les bois de chez nous. Ça vient de chez les bois de chez nous. Et décoré aussi par les artisans qu'on appelle les forgerons. C'est eux qui font la décoration comme ça. Je suis Madame Doukouria Sanatou, la présidente de l'Association des femmes maliennes de Belgique, Mousso Iriwaton. Pour ceux qui me connaissent, ils me voient souvent habillée à basin, quel que soit le climat. Mais le secret, c'est quoi? C'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bamako, comme vous avez certainement entendu, est la capitale du basin. Toute la sous-région ouest-africaine s'approvisionne. Toute l'Afrique vient s'approvisionner au Mali en basin. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Le basin, c'est un phénomène de mode que le Mali a promu, que le Mali a fait exploser à travers le monde. Il y a l'Afrique, mais il y a aussi le monde entier. Il y a des valises de basin qui quittent le Mali pour tous les continents. Et ça, vous allez le voir aujourd'hui, vous allez le découvrir à l'occasion du 57e anniversaire de notre pays. Nous allons vous montrer le secret du basin. Venez voir ce basin, depuis les enfants jusqu'aux adolescents et les personnes âgées. Et le basin, il est porté, il est cousu en fonction de l'âge, en fonction des événements. Vous allez à Bamako, il y a une chanson qui magnifie le basin, qui magnifie les mariages, le dimanche à Bamako. Quand vous vous rendez à Bamako un dimanche, vous vous croirez dans un festival, parce que le basin, il est présenté sous toutes ses formes. Les enfants portent le basin, les hommes portent le basin et ils sont appréciés par tout le monde. Donc nous sommes là aujourd'hui pour magnifier le basin. Le basin, il est là en robe, en grand boubou, il est brodé, les mariés le portent. Au cours des baptêmes, il y a différentes formes de basin. Le basin, j'ai l'habitude de faire un exposé sur le basin. Qu'est-ce que c'est que le basin? Le basin, je suis partie de la conception du basin jusqu'à la teinture, jusqu'à la couture et jusqu'au port du basin. Et les marraines ont une sorte de basin qu'elles portent. Le parrain a une sorte de basin. La mariée a une sorte de basin. Donc le basin est diversifié en fonction de notre culture, de nos traditions. Nous avons pris le basin, il est fabriqué en Allemagne, c'est vrai, mais c'est au Mali que le basin est mis en valeur. Tout le monde porte le basin au Mali. Des plus pauvres aux plus riches. Et on ne fait aucune différence entre les différentes couches de la population. Les teinturières ont donné une image au basin. Les teinturières ont fait du basin un modèle à reproduire partout. Magnifique. Impressionnant. Magnifique. Et ça, ce sont des basins qui sont faits
à la main, mais c'est encore beaucoup plus que tout ça. Parce que ça, c'est fait à la main avec la machine, mais ça, c'est fait en faisant la couture et dans différentes couleurs. Et les mailles des coutures prennent la forme du dessin de la couture. Et c'est fait avec l'aiguille, le fil. Et il y a différentes étapes. Ici, ça, c'est un bazin spécial. Voilà, ça c'est du bazin de thon pour les hommes qui sont assortis à des chaussures. Les chaussures sont là, voilà, assorties, voilà, et tout est en bazin. Comme on vient de vous le dire, le bazin est représenté dans toutes ses formes et dans toutes les couleurs, avec tout ce que vous pouvez imaginer de forme. De design. Nous avons l'intention de créer le stylisme, ça se fait déjà, mais que le bazin soit représenté dans la mode, hein, sous différentes formes. Donc, il y a également d'autres formes de bazin ici, vous voyez, avec des dentelles. Avec des dentelles qui sont des garnitures. On fait des dentelles, des garnitures. Et ça, c'est de la broderie. Vous voyez comment on peut utiliser le bazin dans toutes les formes, avec toutes les couleurs, et pour simplement embellir la femme, embellir les hommes, embellir les enfants. Tout le monde porte. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Les hommes se mettent bien avec le bazin, aussi bien que les femmes. Les enfants, il y a une différence, comme je l'ai dit, entre... Il y a les enfants ici, les enfants, ça ce sont des tenues des enfants. Il y a les tenues pour les jeunes filles également. Et pour les mamans, c'est des grands boubous où les femmes se présentent comme des dans leur majestuosité. Elles sont toutes belles, je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire, c'est comme l'aigle déploie ses ailes. Alors la femme, quand elle porte son grand boubou, elle se déploie aussi. Et en tant que, c'est souvent un signe de richesse, parce que la valeur du bazin change en fonction du travail qu'on y met. Il y a la broderie, il y a la teinture, il y a la couture. Toutes ces trois combinées donnent une valeur au bazin. Donc le bazin, on se déplace de ville en ville, de pays en pays, on verra que la qualité du bazin diffère. Même à l'intérieur du Mali, la qualité est différente en fonction des régions, en fonction de ce qu'on voudrait faire du bazin. On peut tout faire. Quand j'ai fait mon exposé sur ma présentation sur le bazin, je suis partie de l'origine du bazin. Parce que le Mali fait partie des premiers producteurs de coton. Et le bazin, c'est le coton. Alors, nous avons valorisé une production de chez nous. En essayant de valoriser cette production, et on peut créer de l'emploi chez nous. Et on peut maintenir les enfants et les jeunes dans le pays. Et on lutte contre l'immigration qui est un fléau dans le pays. Donc le coton, il est valorisé, il est vendu, il est transformé, même si la transformation se fait à l'extérieur. Donc essayons de travailler à la base. Peut-être qu'un jour, le coton sera manufacturé au Mali et nous l'aurons beaucoup moins cher. Mais pour l'instant, nous nous contentons de la quantité de coton produite au Mali et qui est aussi une valeur ajoutée parce que nous avons des ouvriers qui vont dans les champs pour cultiver le coton. Et ce coton, il revient chez nous en tant que bazin. Mais on ne le reconnaîtra pas. Le cultivateur qui est au fin fond de Koutiala ou de Sikasso, qui produit son coton, il ne sait pas la destinée de ce coton-là. Et ce coton, il est manufacturé, il est envoyé en Allemagne, il est transformé en bazin. Et ce bazin, il nous revient à l'état pur, à l'état nature, tout blanc. Et ce sont les teinturières qui donnent cette valeur au bazin.
ensuite les couturiers. Et le bazin revient, il nous revient, presque méconnu. On ne le reconnaîtrait pas. Parce qu'il revient tout blanc de l'Allemagne. Et les femmes font travailler leur ménage. Les femmes, elles ont leur créativité, leur ingéniosité. Regardez un peu les différentes formes qu'elles donnent au bazin. Regardez un peu les différentes décorations. Regardez ce qu'elles font du bazin. C'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Vous voyez, et regardez, tous les modèles sont différents les uns des autres. Tous les modèles sont différents. Et quand vous me demandez de choisir maintenant, j'aurai l'embarras du choix. Je ne sais pas lequel choisir. Et ça, ce n'est que ça. Il y a encore d'autres secrets qu'on va vous montrer ici. Nous invitons les investisseurs, les amis du Mali, qui veulent que le Mali progresse dans son développement, pour le développement socio-économique du Mali. Ceux qui veulent aider le Mali, ils doivent faire en sorte que le coton que nous envoyons pour être manufacturé à l'extérieur soit manufacturé au Mali. Et au Mali, ça va créer des usines qui transforment le coton que nous produisons. C'est nous qui produisons, pourquoi nous ne transformerons pas? Donc on produit, on transforme et on fait le bazin et le bazin deviendra encore beaucoup moins cher. Et ça va créer des entreprises au Mali et ça crée le développement du pays. Donc on ne peut pas se développer tant que les ouvriers, les cultivateurs cultivent et que ça c'est transformé et transporté dans d'autres pays pour faire la manufacture. Et les investisseurs, nous les invitons à nous aider à mettre en place dans notre pays des industries de transformation du coton et qui pour rendre le coton accessible, le bazin accessible. Parce que dès que c'est manufacturé chez nous, ça nous reviendra beaucoup moins cher. Nous rejoindre, ils peuvent nous rejoindre par ici. Ce qui est représenté, c'est le réseau des artisans maliens. Ça, il y a également l'association des femmes maliennes ici. Nous pouvons être des partenaires, nous pouvons être des relais et d'informations. Et nous pouvons se mettre ensemble pour cogiter, pour réfléchir à une stratégie qui leur permettrait de s'investir dans ce domaine-là. C'est un domaine porteur qui peut rehausser l'image du Mali, qui peut rehausser l'économie et qui aura une répercussion sur le développement socio-économique de notre pays. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de gens qui croient en nous. Parce que s'ils croient en nous, ils peuvent nous aider et nous permettre de porter le flambeau du bazin. Le bazin, alors, on le prend de la source jusqu'à l'embouchure. Voilà, donc du coton jusqu'à la teinture, à la couture, tout sera made in Mali. Nous sommes à Uccle, nous avons passé quelques jours à Anvers. Nous remercions vivement la communauté africaine et même belge d'Anvers qui est venue nombreuse pour nous soutenir. Et maintenant nous sommes au 35 avenue Winston Churchill à Uccle, à Bruxelles. Nous vous invitons à venir voir toutes ces créatures, tous ces talents de femmes. Et je suis sûre que vous serez convaincus de tout ce que je viens de vous dire et vous aurez l'embarras du choix. À Uccle, à Bruxelles, au 35 avenue Churchill. Venez nombreux, sinon c'est de 10h à 20h tous les jours. Et vous savez, il y a aussi les produits agroalimentaires qui sont venus directement du Mali. Ils sont là, il n'y a pas de produits chimiques, c'est des produits bio. Venez avant que nous qui sommes ici en Belgique, nous les touchions et qu'on les... Voilà. Nous sommes là du 25 septembre au 29 septembre, donc du lundi au vendredi. Nous sommes là, venez, nous allons vous accueillir avec beaucoup d'honneur. Tu
Mirigone ma Nglobe samba Kuli mechen singina Birom gambo Ngone mechen yas Mbay mechen giri Yotan nin gababar me Matembe Sek madan Adakamen may satete jor Urumar Mami ande kamari gone sabel Mi tek dameli chowne Sambaya sina Dike bay kuja doki Yai borong baba Sama wani kendula jamane Kata paling mawa jor Kupa sampai ajar Pagwa dogo Azizom bayi dogo Ambe yore Est-ce que vous êtes là? Rocky a travaillé. Me bora malila bamako. Ne koloka nkaye. Ah ah koroke yusu. Angaba. Fina artisto benna mi politiki de sera ko diplomasi masetu ama malodi nokoma ka para fina kelenya ninsia chama kelenya konona mindina chama Les inscriptions sont ouvertes. The registrations are open. www.africanlionawards.com www.africanlionawards.com African Lion Awards. African Lion